Non, j'ai retesté. Est-ce que je sais, t'as pas tout à fait la dernière version. Si tu perds, tu es obligé de recommencer après. Ouais. Parce que après le tournoi, je parle de tout ce qui se passe après le tournoi. Tu serais obligé de recommencer. Mais après, c'est tout. Alors Mais écoute, là, il y a un quiz. quiz pour emporter un objet, mais Non, on va mais pas y le fais participer. non, voilà. Je sais, mais j'ai Mais fait ou exprès, j'ai fait peut-être on exprès. va modifier les questions pour mettre des questions un peu plus dures, parce que la Ouais, sinon ce sera récompense, facile. Et là, vous voyez que... elle est vraiment énorme, la récompense. Ah ouais, vraiment un truc vraiment bien cheaté. Voilà, là, vous avez quelques sprites de D'ailleurs, dresseurs, et plus ou regarde, si moins tu connus. regardes, il y en a un qui va falloir que je modifie de J'ai pas personnage fait un peu plus. attention, je me suis plutôt hâté vers le combat. Et là, vous voyez l'arrière-plan qu'on a essayé de créer, surtout Wedman. Et t'as fait vraiment un joli travail. Je suis niveau Merci, 8 merci. déjà, putain. Ouais, mais toi, t'es déjà niveau 12. Oui, mais on sait jamais, on sait jamais. Ouais, mais niveau 12, t'as quand même la marge. Et en plus, si tu récupères la récompense, ça va t'aider même à monter et Ouais. Pour à être au gagner des niveau trucs. 16, pour monter, pour avoir une évolution dans la vidéo. On est déjà quand même à 25 minutes de jeu. Ça passe vraiment très vite parce qu'on a énormément de trucs à vous dire. Simplement, peut-être ça sera une longue vidéo, je sais pas, ou une vidéo plutôt courte, je sais pas. Mais moi, je trouve que ça serait plutôt une vidéo longue quand même pour présenter un maximum de trucs pour le projet, tu vois. Pour que ça vous plaise aussi. Voilà, pour que ça vous donne envie, Pour... tout simplement. Voilà. Et Et que si ça vous vous avez donne des idées, voilà, tellement que ça vous ça donne envie, tu sais, ils aimeraient bien tester les jeux, mais nous, on est sadiques, donc ça sera la semaine prochaine. T'sais. Oh, mais c'est pas vraiment un truc de sadique, Bah c'est qu'on ouais. va essayer d'en faire le maximum Exactement, pour que ça soit pour qu'il y ait beaucoup plus le fluide, moins minimum de bugs, de etc. bugs et le maximum d'histoire. Et comme ça, nous, on pourra y jouer, et pas vous. Voilà. Non, Avec plaisant. on va essayer de mettre des mises à jour toutes les 3-4 semaines Un pichou, pichou. pour justement voilà toutes les 3 semaines vous pourrez tester les nouveautés. Exactement, peut-être on augmentera le niveau, on baissera le niveau, je pense qu'on en manquerait, on augmenterait surtout le niveau, je pense. Oui, Après, voilà. faudra adapter aux fonctions du scénario, etc. Mais Voilà, mais pour l'instant, on vous montre un peu comme ça. de toute façon, on teste petit à petit, voir si si on prend n'importe quel Pokémon, s'il y a la possibilité de réussir autant. Exact. Ce qu'il faudra après, qu'il faudrait que je teste avec Bulbizarre Bizarre pour voir si c'est un petit peu plus dur, et Carapuce aussi également, parce que j'ai beaucoup pris Salamèche pour voir comment se dérouler. Et ce Pokémon est très très bien en tout cas. En tout cas, c'est celui que j'aurais pris. Bah ouais, tu adores Dracaufeu, hein. Ouais, voilà. Mon D'où préféré. ton petit logo de vraiment sympa sur le site. Je Ouais, mettrai le voilà. site en description. C'est en bêta, hein, comme je vous l'ai dit. On rajoutera des trucs par la suite, on changera les trucs, etc. Et puis voilà. Donc j'espère que ce projet vous plaît, tout simplement. Vous pourrez remercier quand même 700 personnes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais 700 personnes, C'est énorme. c'est énorme. Imagine, tu sais, je sais pas, t'es dans une salle et d'un coup il y a 700 personnes qui te regardent. C'est vraiment énorme. Bah Ouais. merci beaucoup, hein, franchement. Que dire, j'ai même plus les mots tellement que. Bah ça me fait extrêmement plaisir de voir des commentaires, interagir avec les abonnés. Franchement c'est énorme, c'est du psychopathe, c'est du pur bonheur. Donc merci à vous, tout simplement. Par contre là, Caillou il va me faire chier, je pense. Moi, t'inquiète pas, tu peux le Ouais vaincre, mais tu vu peux le vaincre. qu'il... Ouais mais vu que c'est de la déf... Il enlève juste de la défense et vu que Flamèche, je crois que c'est une attaque spéciale, donc ça va. Ensuite, de toute façon, et vu qu'on vous a dit qu'il y avait des Pokémon, au pire, vous savez ce qu'il reste à faire. Exactement, vous capturez un Pokémon, déjà on vous donne 10 Pokéballs, donc c'est vraiment sympa. Hein. Et un On petit pouvait vous conseil. donner aucune Pokéball aussi, Voilà. éventuellement. Et un petit conseil que je vais vous dire aussi, c'est essayer de capturer le maximum de types, de différents types Exactement, par rapport à capturer un l'histoire. maximum de Pokémon. Ça, c'est vraiment un gros conseil Et surtout qu'on le vous donne. différents types. Exactement, pour varier les équipes, etc. Parce que il y aura des Aura beaucoup de trucs stratégies. en référence à des Pokémon capturés. Voilà, c'est un petit Voilà. indice. C'est-à-dire il faut capturer un maximum de Pokémon. Et vu dans Pokémon, il faut dire la réplique attrapez-les tous. Eh ben, il faut tous les capturer, tout simplement. Et ça va vous aider sur certainement. C'est obligé de ça. Et pour les légendaires, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué de les trouver parce que on voulait pas faire sur les versions officielles. Voilà, tu rentres dans une centrale, tu fais quelques petits chemins et voilà. Oh, un Élector niveau Je parle de 50. lecteur, voilà. Voilà. C'est bien ce que je pensais. On va faire un truc un petit peu plus dur, notamment quand on vous a parlé des systèmes de trappe.
où il y aurait des légendaires cachés, etc. Des peut-être des puzzles, je sais pas, on verra. On verra ce qu'on on verra par la suite. Hein. Merde, j'ai fait griffe, quel con. Je pense que tu vas perdre. oui, parce qu'il peut faire morsure, en plus il me fait baisser ma défense comme un porc. Ouais, la dernière fois j'ai perdu contre lui, quand j'ai voulu retester. Ah, il faut pas me dire ça, sinon je vais perdre en direct. Et déjà j'ai perdu une première fois à cause du problème. Du poison. Ouais, ah, et là c'est chaud parce que, en plus la brûlure est très très bien faite en tout cas. Ah ouais, yes, c'est bon. Oh là là, c'est... là je suis content, là là je crache pas comme une merde, c'est... Voilà. Et voilà. Ce qu'on peut montrer, vu que l'histoire n'allait pas continuer, tu peux... Vu que ça va plus ou moins débloquer, on peut le dire, hein, de toute façon ils le verront. Mm-hmm. On pourra montrer la forêt, tout ce qui est la deuxième ville, la troisième ville, la quatrième ville. Ouais, et je pourrais montrer, ouais. On va s'arrêter à la quatrième parce que sinon tu vas faire le même bug que la dernière fois quand j'ai voulu te présenter le truc. Exactement, c'était un peu chiant même. Et là vous voyez qu'on a gagné quand même 20 hyperboles, ce qui est plutôt énorme. Oui, mais on modifiera, on mettra. On modifiera, 10, ouais, parce que... 5. Et là ? Oh, mais que c'est qui ça ? Was ? Alors c'est toi qui as remporté le tournoi ? Tu n'as pas l'air très fort. Et voilà, direct, on est sur un autre combat, heureusement qu'ils nous ont soignés en tout cas. Et donc on modifiera sûrement le sprite, comme on avait dit. Ouais. Tu parles du décor de fond pour que ça fasse un peu la ville, ouais. Ouais, ouais, ouais. Exactement, ouais, voilà. Et peut-être le sprite du dresseur, enfin on sait pas pour le moment. Et vous voyez, un Terral, donc un Terral, ouais, un très vrai, bon Pokémon chance, que... C'est du métal. Oui, oui, c'est vrai. Et ça craint quoi aussi à autre ? L'eau ou l'herbe ? Ni l'un ni l'autre ? Parce que la roche, ça craint l'eau et l'herbe ? Le sol, je crois. Le sol ? Bah, mais il vole, non ? Je sais pas. Ah je oui, il pas. A peut-être lévitation, hein, je ne sais plus, je m'en rappelle plus. Je ne le connais pas, moi je suis resté à, on va dire, à la troisième génération, mais je connais surtout la première. Vous voyez qu'il a des Pokémon vraiment sympas et ça varie sur l'équipe. Voilà. Donc, il y a un peu de challenge comme je vous ai dit, c'est vraiment sympa. Et les Pokémon qu'il a aura un rapport avec l'histoire, par contre. Oui, oui, en raison, en rapport avec le scénario principal du jeu, oui, il va se passer des choses. Ouais. Mais on va rien vous dire. Non, on garde secret. Et là, Fantabinus, petite dédicace, hein, Spectre. Sympa. Par contre, ce qu'on va essayer, c'est que les Pokémon, à chaque fois, gardent le même sexe. Donc il faudra que je fasse des détails et tout, pour que ça soit toujours le même sexe pour Fantabinus et tout. Mais ça, ouais, ça... on peut garder comme ça, sinon femelle, mâle, c'est pas grave. Ouais, non, mais ça changera le problème. Si alors normalement, alors et... oui, quand je voulais, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. C'est pas grave, c'est pas grave. Normalement, au niveau 14, c'est la mèche apprend griffe d'acier dans les versions rouge feu vert feuille. Il n'apprend pas ça pour le moment, je ne sais pas pour le moment, on ne sait pas. Et au niveau 16, il apprend dracorage et je crois que dracorage ça prend beaucoup plus tard, il me semble. T'as eu de la chance. Ouais, parce que c'est vraiment cheaté, parce que là on regarde ça, la mèche à 43 points de vie et l'attaque dracorage fait 40 points de vie. En gros, il peut tuer en deux coups un niveau 20, le type. Limite, s'il a moins de 40 HP, il peut très oui, certainement voilà, le tuer un one très shot. Facilement. Et voilà, donc la prochaine fois, ça sera moi qui gagnerai. Voilà. Bon, les textes seront peut-être modifiés avec un peu. Oui, oui, on modifiera les textes, vous inquiétez pas sur ce point-là. Donc vous voyez que j'ai déjà un reptile, hein. Ça va, hein. Ouais. Ça va vite, mais on va essayer de faire en sorte que même si ça va vite, vous galériez. Ça ouais, bah oui, on va mettre du challenge, sinon... tu veux soigner ? Nous, enfin, dans ouais, la vidéo que je vous présente, on peut refaire le tournoi, mais après, vous pourrez pas. Ah oui, c'est vrai que toi, t'as l'ancien truc. Ouais, j'ai l'ancienne, donc ouais, je peux recommencer. Parce que, moi, non. Moi, maintenant, c'est bon, c'est réglé. La personne. Alors là, il y a un truc spécial que je ne vais sûrement pas rentrer, sinon ça va veiller. Ça serait une école de dresseurs, voilà. C'est ça ? Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que tu avais dit, donc je l'ai créé. Ouais. Et sur ma version, ça y est, elle y est. D'accord, ben ça sera l'école de dresseur, peut-être pour la démo. Moi, j'ai pas mis encore les mecs dedans, mais avec des astuces du jeu, pour parfois, peut-être. Ou n'importe, on verra après. Ah, tiens, il n'y a plus les pliques, c'est bizarre. Ouais. Tiens, un indice. Ouais, je vais vous donner un indice. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Ça sera un secret. Voilà. C'était vraiment un indice vraiment minime. Il y a un combat contre le dresseur, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Eh, hey, mais tu as des Pokémon, il y a l'attaque ! Tout.
Et l'arrière-plan qui a été refait, etc. Enfin, comme vous voulez. Ça, je l'ai repris de quelque part, donc... Ouais, tu m'avais dit. Ouais. Mais après, si on y arrive, on pourrait très certainement changer des trucs qui ont déjà été faits et les faire beaucoup mieux, ou inversement, etc. Je dis pas. Donc on mettra des pseudos ou des prénoms que vous nous direz si vous voulez suivre ce projet, si vous voulez tester la démo, etc. Et vous nous disiez, j'aimerais tel dresseur à telle route, très certainement on pourrait le faire. Ben, pour vous remercier peut-être pas la route, parce que ça va être un peu compliqué. Non, pas la route, mais je veux dire... Tu leur as pas montré la carte? Ouais, je vais la montrer un peu. Bon, elle sera modifiée. Le fond ne sera pas forcément modifié, mais quelques petits réglages seront encore à faire. Mais pour qu'ils voient un petit peu le monde de Bang, c'est ça que t'avais dit? Ouais, la région Bang, ouais. C'est le Big Bang. Je sais pas, mais je trouvais Bang, oui, c'était sympa. Donc on va regarder la carte aussi. Voilà, c'était pour faire un petit aperçu du monde. Et pour leur expliquer qu'on commence en bas, en fait. Donc là, c'est toute la région. Pour l'instant, il me semble... Donc on débute ici, il me semble. Voilà, et là, pour le moment, on est après la deuxième ville. Elle avance encore un tout petit peu. Et on sera de Nalia. Avance d'un pas. Et on montrera la troisième ville, tu m'as dit aussi. La troisième ville, c'est ici. Ok, mon baliste, ok. Bon, on va faire ça. Les noms des villes seront modifiés, je pense aussi. Et là, vous voyez que j'ai augmenté la vitesse des déplacements. C'est un bug, mais on... Normalement c'est plus rapide pour passer les... Enfin, pour aller plus vite, tout simplement. Mais ça sera réglé, à mon avis, avant que... Et peut-être des chaussures de sport. Ouais, je vais essayer, mais... On verra. C'est pas le truc, ce serait dur, mais... Le problème, il faudrait pas que ça gêne par rapport à... Alors, il y a un truc, mais je vais pas vous montrer. Bon, il n'y a pas grand-chose. Ouais, mais... Je vais pas tout vous montrer non plus, hein. Et voilà, donc là aussi il y aura un secret. Mais on vous ne dit pas. Tu pourras pas montrer la troisième ville et tout, vu que... Ah oui. Vu que c'est bloqué. Moi je sais pas, on verra. Bon, pour le moment c'est très vide, hein. C'est normal. Oui, les maisons ne sont pas animées ici pour le moment, mais... Certainement à la démo on aura mis des trucs avec des dialogues, etc. Ah, j'ai oublié de montrer un truc. La référence, elle se trouve dans quelle ville? La référence de... Je ne vois pas de quoi tu parles. Le petit concept qu'on avait dit de mettre certaines personnes avec des petites répliques, etc. Ah, avec les personnes de YouTube, c'est ça? C'est ça. C'était dans la deuxième ville. Celle-là? Non, la ville d'avant. Ah merde, bon, attendez. Tu veux le montrer? Ouais, je voulais le montrer. Ouais, bah d'accord. C'est des petites nouveautés, comme je vous ai dit, pour l'instant, vous voyez qu'il y a une nouveauté, c'est le commissariat de police, et des petites nouveautés pour remercier certains youtubeurs qui nous ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube et inversement, etc. Donc, on voulait vous montrer ce petit détail, mais qui est sympa. Voilà. Qui est sympathique. Voilà. Donc, pour l'instant, on a mis une référence que je pense que tout le monde connaît, hein. Ou si vous connaissez pas, c'est... Je ne comprends pas... Je ne comprends pas. Et en plus, tu l'as très très bien fait, en tout cas. Vraiment bravo, un beau travail que t'as fait. J'espère que si... S'il apercevra ou si... Si la personne... que j'ai, les personnes que j'ai essayé de reproduire le verront, j'espère que ça leur plaira. Bah, je sais pas, mais après en même temps, ils ont énormément d'abonnés, donc... Non, mais ils ont énormément d'abonnés, mais on sait jamais, peut-être que quelqu'un qui connaisse, peut-être que quelqu'un va voir la vidéo et tout... Peut-être un fan de Jordi Goni qui le connaît peut-être IRL, lui voilà, dit, t'as vu, ça. Une petite référence... C'est là, non? Non, celle-là, après. Celle-là? Mais j'adore, t'as cassé quand même la surprise, hein. Tu venais juste de dire la réponse, vas-y, monte. Et voilà, Jordi Goni et Seb. Mais putain, c'est quoi ce jeu? Et là, un petit chat, parce qu'il a un chat, genre du grenier, et puis là, voilà. Mais putain, c'est quoi ce jeu? Et je t'avais dit, ouais, peut-être un petit truc. Peut-être on mettra pour la démo, je pense. Oui, on le mettra dans la démo. Et je pense que ça va vous plaire. Peut-être un... Ouais, non, je vais pas le dire, mais je te dirai après sur Skype. Je te dirai sur Skype. Non, mais je sais déjà. Non, mais j'ai encore trouvé un autre truc. Ah, d'accord. Ah oui, même dans la vidéo, on trouve des petits concepts sympas. Tu modifies la vitesse. Ouais, bah... Tu es un hacker. Non.
Non, je suis une personne qui veut faire voir la vidéo de présentation, donc il Oui, veut aller je sais. Non, je rapidement comprends. pour voir le jeu. Tout simplement. Non, mais j'ai rigolé, hein, Je bien sais. sûr. Donc, on va régler ce problème de la carte. Et oui, on fera une Non, c'est pas là. petite course. Non, c'est pas là. On fera le mec en train de courir. Je le ferai. Ok, bah c'est cool. Ça, vous pourrez courir. Et je le ferai même aujourd'hui. Ah, c'est gentil. Donc, il y aura un truc spécial ici, mais on va pas vous le dire. Enfin, je vous dis, il y a un truc. Ah. Vous devez avoir le badge gagné pour pouvoir passer. Ah, on peut pas passer pour le moment, il faut avoir le premier badge. Donc, on va se tâter de faire l'arène. Et comme je vous ai dit, il y aura. Directement. Ben, il y a quoi à faire sinon? T'as vu le Pokémon Quota? Bah, il T'as est vu magnifique l'arène? mon Pokémon, et moi je te dis, je vais tout. Ah, mais oui, c'est vrai que t'as l'attaque cheatée. Eh ouais, l'attaque cheatée, mon pote! Ouais, au moins tu peux leur montrer la troisième ville avec l'attaque cheatée. Exactement. Donc là, la musique c'est de la team. Aqua ou Magma, il me semble. Je sais pas encore. Mais de toute façon, tout va être modifié. Je crois Bon, que c'est ça. le Dracourage est bizarre, mais il était comme ça Ouais. direct. Je sais pas si c'était dans les scripts. Mais comme on vous dit toujours, si vous voulez nous aider, on recherche des personnes, en tant que mappeur, scripteur, Voilà. designer, infographiste, etc., modérateur, enfin voilà. Quelqu'un qui sait faire aussi les animations dans RPG Maker. Ouais, tu m'avais dit, ouais. XP. Pour justement modifier les attaques, que ça fasse beaucoup plus réaliste, parce que certaines attaques ne sont pas script et en fait ça fait juste un coup, mais c'est tout, ça fait rien de plus. Exactement. Donc ça perd un petit peu de. Ça perd un peu, mais bon. Donc on vous conseille Salamèche. Non, mais il sera modifié, t'inquiète pas, Ouais, non je mais Dracora, retirerai je pense, l'attaque. on Je mettrai l'enlèvera, mais... greffacier, donc ça restera assez possible, parce que greffacier. Il y a certains Pokémon qui n'aiment pas, je crois que les roches et l'acier n'aiment pas. Ouais, c'est super efficace sur... Parce que moi j'utilisais Rouge Feu Vert-Feuille, enfin... Je jouais à Pokémon Rouge Feu Vert-Feuille en... Hors caméra, enfin... Je jouais comme ça, Oui, voilà. et j'utilisais Griffe d'Acier pour tuer le Onix, c'était super efficace. Oui. Bon, c'est pas aussi efficace qu'un coup de pistolet à eau, mais c'est déjà pas mal. Ouais, mais c'est une bonne attaque, je crois. C'est une attaque de... Je sais plus. 40, je crois. Oula, mais tu le Voilà. torches. Ah bah oui, bah c'est easy. Attends, moi je suis un PGM, la mort qui tue, t'sais. Ah, il faudra changer le nom de l'arène, au fait, qui ne s'appellera plus Granite. Ouais. Mais... On va Et pas oublier. Bleu-Pont. Ah, mais ça. Oh non! Voilà. Bon, ben, je Petit pensais fail en que direct. tu voulais que je le dise parce que je pensais que t'avais oublié. T'aurais dû Non, être plus non. rapide. Là, bah, au moins vous saurez que ça sera le badge éboulement. Ou sinon, on mettra un petit bip sur la vidéo. Ah non, on va Non, pas faire je ça. rigole, bien Ça sûr. prend trop longtemps. Je pense Mais on que vous dira pas les autres. je ferai la vidéo en deux parties, je pense. Ouais, ça sera long sinon. La grotte sera tout à fait changée, Ouais, il y aura des avec dresseurs, il y des aura peut-être des obstacles. quêtes, peut-être des échelles cachées. Enfin, Voilà. pas des Par échelles contre, cachées, mais... ce qu'on va faire, oui, c'est modifier le nombre de Pokémon Oh, un starter. trouvés. Le nombre de pas pour trouver un Pokémon. Parce que je sais personnellement que dans les grottes, c'est vraiment horrible. Ouais. On Oh, un fait 5 Obelix! pas, quand on fait 5 pas, eh ben il y a un Pokémon sauvage. Tu ressors, Ouais. tu bats ton mec. 5 pas après, eh ben il y a encore un autre. Alors à la fin, ça finit jamais. Donc là, on modifiera le nombre de pas pour les découvrir. Et on mettra quand même un bon chemin pour arriver à la prochaine ville. Parce que pour le moment, c'est assez court. C'est trop court pour le Exactement. moment. Mais il y aura quand même des modifications. Comme des échelles après pour aller dans un genre de labyrinthe, tu vois, mais pas trop compliqué. Oui, voilà, ça. Non, je vous montre Les quoi. labyrinthes Ouais. compliqués, c'est pour les Pokémon Légendaire. légendaires. Ouais, voilà. Exactement. Bon, là, je vous montre un petit peu les Pokémon. Hein. Après, je suis en même temps, c'est obligé d'être. On est obligé de passer par là. Donc en haut, il faudra surf. Pourquoi, je ne sais pas pour le moment. Mais je vais Si, pour trouver certainement un truc, t'inquiète. trouver des soit peut-être un Pokémon Ah, j'ai trouvé. pas forcément légendaire mais rare. J'ai trouvé. Ou des trucs comme ça, oui, Je te bon. dirai sur Fail. D'accord, tu me le diras à part. J'espère que ça plaira vraiment aux gens, que
et qui nous diront plein d'idées aussi qu'ils ont. Ouais, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Nous, on en a, hein, perso, on en a, on sait à peu près ce qu'on veut faire. Mais si vous avez des idées, des trucs que vous dites, ah, ça, c'est vrai, il manque dans Pokémon, c'est dommage, on le voit jamais, ça. Exactement, bon, franchement, ça nous aiderait vachement. Il faudrait pas non plus que ça sorte un truc... Trop compliqué non plus, il faudrait pas... Genre, tu sais, une personne nous dit « Hey, est-ce que tu peux faire un Pokémon qui vole et le contrôler, tu sais, dans les airs ?» Ouais, voilà, ça serait pas possible. Monter tout simplement sur un Pokémon, ça serait trop compliqué. Ouais, et puis ça servirait un petit peu à rien, voilà. Mais je sais pas, des petits trucs. Donc les herbes, faudra les modifier. Mais même le passage au début il va être modifié. Il y aura un truc comme je t'avais dit sur Skype. Oui, voilà, mais avec des pêcheurs. Invoqué hier. Ouais. Où la deuxième arène sera bien plus tard. Ici aussi, il y aura des trucs cheatés. Ça bug un peu pour moi. Ah, mince. Donc, on va bientôt arrêter la vidéo, je vais m'arrêter sur une défaite. Ah oui, mais moi, même le son, il bug un peu. Bon. Et oui, le course coûte 1 million de Pokédollars. C'est normal, hein, vous inquiétez pas. Et si vous avez 1 million de Pokédollars, vous pourrez sûrement l'acheter. Mais peut-être un truc... Enfin bref. Bon, on va se laisser sur cette défaite, parce que voilà, j'ai pas capturé des Pokémon, parce que c'est des Pokémon de type eau qu'il faut battre, et mon Pokémon de type feu va pas faire un feu. Ça serait marrant si je gagne, mais personnellement, je pense pas. Mais ça risque d'être dur. Océane. Même avec l'attaque citée, parce qu'en deux coups, tu serais KO. Ouais, et puis déjà niveau 18, voilà quoi. Ouais, aussi. Donc écoutez, on va se laisser sur cette magnifique défaite, en tout cas. Je vais essayer de battre au moins... Ah oui, c'est encore plus difficile de gagner comme ça. On va même pas voir le Pokémon cheaté qui m'a saoulé, tu sais. Ah ouais. Moi je sais pas, je ne vois plus ce qui se passe, donc je peux pas expliquer. D'accord. Bah, t'es sur quel Pokémon que j'ai battu Mustibo. D'accord. Je vois un peu. Psychoquack. Ah. Non, mais leur montre pas tout, meurt avant. Bah ouais, j'espère. Oh, mais il me fait chaque montage, je vais mourir. Mais tout ça va être modifié comme on le dit, hein. De toute façon, je me répète. Ah, mais fait pistolet là-haut, c'est bon, je suis mort. On va le modifier. Voilà. On s'arrête sur cette magnifique défaite. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce projet. Donc, il y aura un site à cette effigie en bêta pour le moment. Je mettrai le site en description. Le jeu s'avance plutôt bien pour le moment. On va rajouter des trucs par la suite, etc. Merde, j'ai oublié d'appuyer sur le dialogue. Texte plutôt. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, si tu as aimé, tu peux liker la vidéo, tu peux la mettre en favori pour faire partager le projet en tout cas, et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre le quotidien de mes let's play Pokémon, etc. Enfin, autre let's play, Zelda Majora's Mask, etc., Naruto Storm 3, et aussi pour suivre ce projet de créer un jeu Pokémon sous RPG Maker XP, le projet Pokémon version Destiny, Pokémon version Dark Destiny, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, tu peux aussi commenter, surtout pour nous donner des idées si tu apprécies le projet, etc. On veut vraiment avoir une interagition, comment dire, interagir avec un maximum. Voilà, exactement, une interaction pour interagir avec un maximum de personnes, pour nous donner des idées, pour... Que ça plaise à tout le monde, voilà. Et pour ceux qui veulent participer au projet, qui nous aideraient au projet, tout simplement, comme je vous ai dit, modérateur, scripteur, infographiste, scripteur, etc. Voilà tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la suite de mes vidéos. En tout cas, tu vas dire le mot de la fin. Ah. Je l'avais pas préparé. Donc, venez nombreux, ça va donner. Ça va donner, d'accord. Allez. Donc, ça va donner, les amis. Allez, salut tout le monde!